Bonjour Cédric Burguin. Bonjour Inès. Alors nous entamons avec vous une deuxième semaine. Et la semaine dernière, vous nous disiez que le code de droit canonique s'adresse aux fidèles, donc aux baptisés. Mais que pensez-vous du cas des baptisés très jeunes, donc qui n'en ont pas fait le choix, ou des personnes qui sont devenues athées par la suite ? Alors, il y a deux choses dans votre question. La première, il faut revenir au fait du baptême. C'est vrai qu'on entre dans l'Église par le fait du baptême qui se déroule un jour, une heure précis. On a demandé à être baptisé. Alors on a demandé à être baptisé adulte ou on a demandé à être baptisé enfant. Et puis ensuite, il y a l'appartenance à la communauté chrétienne. Quand l'adulte il est baptisé, ça se fait à la fin d'un parcours. Et donc, il a fait toute cette catéchèse avant. L'enfant, il va être éduqué dans la foi ensuite, et donc il va apprendre progressivement à faire partie de la communauté chrétienne. Et on voit que là se distinguent deux choses. Le fait du baptême lui-même, encore une fois, qui est un moment précis de l'histoire, on peut l'acter, le juger, et puis l'appartenance à la communauté chrétienne, qui va être régulée tout au long de la vie, parce qu'on va vivre différents événements. Et à chaque fois qu'on va vivre quelque chose avec l'Église, il va y avoir des critères objectifs. Est-ce que je suis dans l'Église ou est-ce que je suis dehors ? Donc l'Église a établi des critères pour évaluer cette communion. Comment est-ce possible ? Est-ce que la communion n'est pas trop intime pour être évaluée ? Alors là, on revient là aussi à deux choses. On est toujours un peu binaire. Hein. Le fait que la foi est effectivement quelque chose de très intime. Et en même temps, elle est donnée par une communauté, on la reçoit d'une communauté. Et donc l'Église, elle ne va pas juger ce qu'il y a au plus intime de nous-mêmes, mais elle va se baser sur ses critères objectifs de communion, parce que le fait d'être dans l'Église, de participer à sa vie, de participer à sa pratique, de croire ce qu'elle croit, eh bien tout cela va être des faits objectifs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, de savoir est-ce que le fidèle, il est dans cette communion de l'Église ou est-ce qu'il est en dehors. Et c'est là-dessus que l'Église veut se pencher c'est avec cela qu'elle veut discerner. Et quels sont ces critères objectifs alors ? Alors le canon 205, il nous donne une trilogie de critères objectifs qui sont assez simples. C'est le critère de la foi, le critère des sacrements et le critère du gouvernement ecclésial. Le critère de la foi, c'est est-ce que je crois ce que croit l'Église ? Est-ce que j'adhère au message de l'Église, au message de foi qu'elle transmet ? Les choses importantes, hein, pas tout, il y a une hiérarchie dans l'ordre de la foi. Ensuite, les sacrements. Est-ce que je pratique la foi telle que l'Église me le propose ? Si quelqu'un ne vivait absolument pas des sacrements, on voit bien que dans cette trilogie, la communion serait amputée d'un point essentiel. Et puis, est-ce que j'obéis à l'Église ? Quand elle donne un certain nombre de critères, d'ordre pour cette pratique, là aussi, hein, elle ne nous donne pas d'ordre dans tous les détails de notre existence, ce sont pour les faits les plus importants. Et donc ça donne une trilogie très objective. Est-ce que je crois ce que croit l'Église ? Est-ce que je pratique ce que pratique l'Église ? Et est-ce que je vis ce que vit l'Église ? Parce qu'on voit bien qu'il ne suffit pas d'être de l'Église comme un fait historique, mais il suffit encore d'être dans l'Église, c'est-à-dire quelque chose qui se vit au jour le jour.